Salut à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Chaos. Alors on se retrouve aujourd'hui pour le On vous fait plaisir, le On vous fait plaisir du samedi. Comme dit hier et avant-hier, il me semble que j'en avais parlé jeudi et vendredi, ou alors c'était que vendredi, enfin donc que hier. C'est un booster Soleil et Lune 2, Gardien Ascendant, en français sous blister, qui sera pour vous. Voilà, oui, on s'est dit que bon, vu que c'est la nouvelle série, tout ça... Faut la compléter, donc pourquoi pas, voilà. Donc, un petit booster, Soleil et Lune, Gardien Ascendant pour vous. Donc, comme d'habitude, faut trouver le Pokémon avec les trois indices. Sincèrement, ça risque d'être un peu plus compliqué, mais je pense que ça devrait le faire. D'ailleurs, je ne dirai plus bonne ou mauvaise réponse. Demain, il y aura la petite vidéo avec le résultat. Si la réponse est trouvée, bien entendu, je pense que ça devrait aller. Franchement, je pense que ça devrait le faire. Donc du coup voilà, donc on va commencer. Le samedi c'est top, on peut faire un peu ce qu'on veut. Donc présentation collection, on va s'occuper d'Étincelle, une série dont je suis super fier quand même. Parce que du coup nous on a repris Pokémon il y a un an, donc avec la série Rupture Turbo, un peu plus d'un an maintenant. Et bon voilà, à ce moment là il y avait beaucoup de séries XY qu'on n'avait pas encore fait forcément, dont Étincelle. Et à cette époque là en fait les boosters Étincelle, les displays et compagnie, ça coûtait déjà quand même assez cher, donc du coup on est super content, donc on va y aller tout de suite. Bon, il nous en manque quelques-unes, mais ce qui nous manque surtout c'est les reverse. Malheureusement c'est les reverse, mais on a encore des boosters derrière, on a encore un display, donc allez, on va dire que ça peut le faire. Donc voilà, donc on va compléter ça, c'est sûr, c'est clair, c'est net. Mais bref, donc on va y aller. Je vous donne le premier indice tout de suite. Donc le premier indice, on raconte une folle histoire à son sujet. Voilà, ça c'est le premier indice. Donc allez, on est parti. Donc chenille, pan, chrysacier, papillusion, qui sont vraiment jolis. Moi perso, j'adore. D'ailleurs, vu que là, je tourne un peu plus tard, est-ce qu'il y a des illustrations? Ah bah oui, voilà. Donc là déjà, je connais une abonnée qui sera très contente en voyant cette illustration-là, vu que c'est celui. Donc voilà, là je pense que bon, tu te reconnaîtras, tu devrais être contente. Donc allez, on va enchaîner. Donc pomme de pique, Grenipio, Pifeuille, Tangalis, Roselia, Roserade ensuite, bien entendu. Les cartes sont vraiment belles hein, dans Étincelle, il n'y en a pas beaucoup en plus dans cette série. Il n'y a pas beaucoup d'ultra non plus, d'accord, il y a trois secrètes, mais bon, on va dire que ça reste... Enfin, quoi que les secrètes, non, c'est quand même du Dracaufeu, donc c'était assez compliqué. Marakashi, voilà, là, ça fait bizarre, vous voyez, plante, et après, bon, bah, ok. Alors, attendez, j'ai un petit reflet à cause de l'écran, là-bas, derrière, on va se mettre comme ceci. Donc, Dracaufeu X, qui sont pas les mêmes, bien entendu. Méga Dracaufeu X, alors, est-ce qu'on a... Non, c'est pas celle-ci qu'on a envoyée à PCA, c'en est une autre. Ouais. Donc, Ponyta, Galopa, Chartor, Brésilion, Elionso, Elionson, Nemelios... Quillfish, Barpo, Milobelus. Milobelus est vraiment belle et j'adore ce Pokémon. Dire qu'on, ça, voilà, ça vient de ça hein, quand même. Hein. Voilà. Hein. Obali, Fogler, Kaymorsk, un Pokémon que j'aime bien. Love Disc que j'adore parce que voilà, c'est un petit cœur. Voilà, et un petit cœur, bah, c'est mignon. Hein, voilà, c'est mignon. Donc on enchaîne avec Mustéboué et Mustéflotte. Attendez, si je me mets comme ceci. Grelasson, Seracrol, Luxio, Luxray. À chaque fois, je les confonds les deux, je sais pas pourquoi. Magnézone X. On se demande quand même ce qu'il fout ici, comme ça, au milieu de petits Pokémon, mais bon. Galvaran, Igualta. Skelenox, Terraclope, Noctunoir. Elle est super jolie cette carte aussi. Coatox, EX, Psytigri, Mystique, Grix, Venalgue, Rakaillou, qui d'ailleurs ils en ont fait pour Toys N' Us et. Pour les 20 ans, oui, c'est Toys N' Us. Hein. Tac, on enchaîne. Gravalanche, Grolem. Bien sûr, il y a beaucoup de cartes qui ont été repris ensuite dans la série Génération, quand même. Mais c'est pas grave. Bon, voilà, c'est vrai que c'est dommage d'un truc, c'est qu'ils sont pas foutus, entre guillemets, hein, de faire des illustrations à chaque fois inédites. C'est comme la forteresse qui est là, je suis sûr de l'avoir déjà vu quelque part, mais je sais plus. Si jamais vous le savez, s'il vous plaît, dites-le moi en commentaire, parce que là, ça m'intéresse. Je sais plus. Non, franchement, je sais plus. Donc, on en était où, nous? Grolem, Opermine, Golgopat, Farfuret, Dimoret, Moufouette,
Oui, c'était ça. Mouflair, Mascaïman, Escroco, Baguiguan, Bagaïd, Fortress donc, Fermite, Flabébé, Flabébé. On va quand même super vite, hein, parce qu'il reste pas grand-chose. Hein. Tac, attendez, je vais reprendre le classeur à cause du petit reflet. Tac, on va se mettre comme ça. Donc, Floette, Floette, Florgus, Fluffetin, Strassi, Megadracofeu X. Dessy était tombé sur un Megadracofeu il n'y a pas longtemps, il y a peut-être 2 semaines, quand on avait reçu en fait d'autres boosters étincelles. Donc, vous vous doutez bien qu'elle est partie à PCA. Voilà, bon, ça forcément. Dracarmin, Cravarèche, Mucus, Kull, Colimucus, Muplodocus, qui est un Pokémon que j'adore. Roucoule, Roucoups, Roucarnage, Kangourex, EX, Méga Kangourex, EX, Ronflex, Fouinette. On enchaîne, je vais vous donner d'ailleurs le deuxième indice. Alors, le deuxième indice, il serait l'évolution hypothétique d'un autre Pokémon qui n'en est pas vraiment un. Ouh, c'est compliqué. qui n'en est pas vraiment un. Bah non, il n'y a pas de liaison. Qui n'en est pas vraiment un. Voilà, plutôt comme ça. Donc j'ai l'impression que c'est compliqué là, non? Bah écoutez, on verra. Hein, le dernier indice, ça devrait, je pense, vous aider. Ensuite, j'en profite. J'ai reçu un colis PCA. Enfin! Du coup, mercredi, il y aura du PCA. Donc ça, c'est top parce que j'adore faire du PCA. J'adore avoir la petite... vous savez, la petite... je sais pas comment le dire. Mais en gros, je suis super content à chaque fois. Je suis un peu stressé et tout devant un PCA. C'est top, j'adore. J'adore les tourner, ces vidéos. Donc elle arrivera mercredi. Moi, je vais peut-être la tourner après dans la foulée. Voilà. Et qu'est-ce que je voulais dire encore d'autre? Je ne sais plus. Ouais, donc ça fera plaisir à certains abos qui m'avaient demandé quand est-ce qu'il y aurait le retour de PCA. Donc le retour de PCA de sûr c'est mercredi. Voilà, mercredi il y en aura un. C'est top. Je suis trop content. Donc Fouinard, Écrémeux, Lapoureille, Locpin, 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 parce que Locpin ça fait bizarre. Passerouge, Coifarelle, Forgeron, Flambeau incandescent, pardon, Lissandre. On enchaîne avec Tempête Magnétique, Registrami, Dame du Centre Pokémon, Fan Club Pokémon, Cube Protecteur, Cendre Sacrée, Mégaphone Surprise, Pelle Rusée, Hyper Ball. Et là, normalement, derrière, ouais, derrière, ça va bien taper. Alors, du coup, qu'est-ce que je voulais dire encore? Il nous manque pas beaucoup de reverse, hein. Peut-être une dizaine. Donc, je pense qu'avec ce qu'on a encore en stock au niveau booster, ça devrait le faire. Et le Master Set, il est pas loin. Donc, ça va être génial. Tac! Ouais, certainement l'une des plus belles pages. Ça, c'est clair, parce que même les dresseurs sont trop, trop belles. Donc, la Dracaufeu EX en FA, qui est juste. C'est une beauté, cette carte. On l'a pas en double. Malheureusement, sinon vous vous doutez bien que j'aurais déjà envoyé à PCA. Mais voilà, j'aimerais bien pouvoir tomber dessus. Franchement, j'adorerais. Ça, c'était Dessy. Mais à l'époque, j'avais quand même plus de chance. Parce que la secrète qui est là, et celle-ci d'ailleurs, c'est moi qui les avais chopées. Hein. C'était Chaos, pas Dessy. Hein. Bon, ok, elle a vu la Kangourex, mais bon, face à un Dracaufeu. Hein. Alors, Magnézone EX, FA, Coatox EX, FA, Kangourex. Celle-là, j'adore parce qu'avec le petit rose, je sais pas, Je sais pas, je dois avoir des tendances bizarres, mais j'adore cette carte. Elle est trop, trop belle. Un peu comme Lissandre. J'adore cette carte. En fait, les couleurs sont terribles. Dame du Centre Pokémon. Fan Club Pokémon, qui est une carte vraiment trop choupinette. Ouais, franchement, je l'adore. La Méga Dracaufeu EX, qui est la même que l'autre, sauf que celle-ci est secrète. Voilà. Cherchez l'erreur. La Méga Dracaufeu, la 108, donc qui est aussi secrète. Et la Méga Kangourex, donc secrète également. Alors j'en profite juste par ordre de... Voilà, donc vous voyez en fait, donc ouais, donc celle-ci, on a envoyé son modèle, pas la secrète, on a envoyé la 13 à PCA. Le 9 me fait un peu chier là-haut, là, donc si jamais on arrive à retomber dessus, ok, il n'y a pas de souci, elle repartira à PCA. Mais voilà, surtout que je sais pas pourquoi, parce qu'elle était vraiment clean et sortie de booster, mais bon, ça arrive souvent. La Coatox qui est là, pareil, c'est un peu chiant parce que bon, bah, 9,5 quoi. Voilà, 9,5. 9,5, et on a vraiment cherché longtemps hein, pour trouver un truc, mais bon, ok. Et la plus grande fierté, pour le moment du moins, dans PCA, c'est cette Dracaufeu, c'est la secrète, qui s'est tapé un excellent 10. Et ça, sincèrement, moi je kiffe. Franchement, je kiffe parce que. Voilà, ça doit être le cadrage en fait qui a foiré un peu pour esquiver le collector, mais sincèrement, moi je suis trop content. Ah franchement, je suis trop content. Voilà, donc c'était juste la petite parenthèse. Tac tac tac. Alors oui, ça derrière là, ce sont des doubles, mais des doubles qu'on garde pour le moment et que je pense qu'on gardera parce que bon,
Ça faisait partie quand même de nos premières doubles en fait, donc ça a une petite valeur sentimentale. Donc la Magnézone EX FA, la Kangourex EX, la Lissandre, la Dracaufeu, donc la 13, celle-ci, là, voilà. D'ailleurs, je me demande pourquoi on l'envoie pas celle-là. Bon, elle doit avoir un petit pet alors, ou un truc. Et la Coatox EX. Et bah voilà, bah, la présentation elle est terminée. Faut dire aussi, Étincelle, c'est pas une série non plus énorme. Mais voilà, elle a de la gueule quand même cette série, elle a de la gueule. Donc moi je vais vous mettre ça ici, voilà, parce que j'aime bien. Elle a de la gueule cette série. Donc du coup, bah écoutez, nous on va se quitter là. Je vais vous donner le dernier indice, vous inquiétez pas, je l'ai pas oublié. Par contre, il faut que... Ouais, bon, alors, pour le dernier indice... On va dire que voilà, c'est un fait qui peut s'avérer vérifié, hein, bon, ok. Mais la légende, vraiment la toute légende, elle a commencé avec un Pokémon qui est présent dans la série Étincelle. Voilà, on le voit beaucoup dans la série Étincelle. Et la légende a commencé, on va dire, la légende entre guillemets, bien entendu, aurait commencé avec lui. Du moins une partie de ce Pokémon. Voilà. Donc là, voilà. Bon, ben, les trois indices, ils ont été donnés. Je suis désolé, là, je pense que ça peut être... très très dur, ou alors pas, on le verra bien hein, en fonction des réponses de chacun, mais en attendant, donc moi je ne vous dirai pas oui ou non, je vous dirai juste que c'est noté, voilà, demain il y aura le résultat, je le rappellerai aussi en commentaire que je ne dirai absolument rien, les 5 premiers sont ok pour le tirage au sort, mais comme dit, s'il n'y en a que 1, 2 ou 3, bah, ce sera les trois. S'il n'y en a qu'un seul, il n'y aura pas de tirage au sort. Ce sera la personne, s'il n'y a qu'une seule personne, hein, bien sûr. Donc ce sera celle-ci qui gagnera un booster SL2. Et puis voilà. Donc j'espère vraiment que c'est pas trop dur. Je pense que ça devrait aller. Je suis resté exprès assez vague. Donc on verra voilà comment ça va se dérouler. Je suis très curieux de voir ça. Bah voilà, bah écoutez, bah c'est top. Je suis vraiment curieux de voir vos réponses. Donc voilà, bah écoutez, bah nous on va se laisser ici. Demain c'est le display de Desi. Il faut pas le rater. C'est une tuerie ce display. Franchement c'est une tuerie. Lundi c'est les 4 duopacks origine antique. Donc avec Desi on va se faire en même temps le championnat là. Tous vos paris ils ont été notés. Du coup, bah, on va voir qui c'est qui va prendre la tête pour gagner un lot de cartes ou voilà, peut-être un plus gros truc d'ici à la fin du mois. Donc voilà, bah écoutez, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à partager, à liker, à commenter et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Nous, on se retrouvera un peu demain parce que je vais faire irruption. Voilà, je vais faire irruption dans la vidéo de Desi. Sinon, on se retrouvera lundi pour l'ouverture en duo. Voilà, allez, bonne chance à tous. Trouvez-moi ce Pokémon. J'espère que c'est pas trop dur. Et j'espère que vous kiffez toujours autant les vidéos. Allez, on se retrouvera très très vite. Portez-vous bien et profitez à fond de votre passion. Salut à tous.